Bonjour, Thierry Bamas, meilleur de France pâtissier. On va commencer la première recette avec l'entremets Panama, qui est un entremets glacé, qui sera composé d'un croustillant praliné, d'un biscuit chocolat Deltora, avec un sorbet, moi je l'appelle 4 fleurs. Bon, à l'intérieur, il y a de la mangue, de la passion, de la banane, du musicao, qui est la fameuse pulpe de la fève de cacao, ce fameux mucilage que la chocolaterie de l'Opéra commercialise aujourd'hui. Et puis avec ça, il y aura donc une crème glacée chocolat Deltora. Le tout sera fini avec une chantilly noisette. Voilà, un entremets glacé frais et surtout très rationnel à montage. Voilà. Donc on va commencer par le crumble. Donc dedans, j'ai de la poudre d'amande, de la farine, du sucre et du beurre. Donc le beurre, c'est un beurre qui est légèrement mou, pour pouvoir le travailler le plus facilement possible afin d'avoir une texture pas trop molle ni trop dure non plus, pour pouvoir la passer après à travers j'appelle ça moi une araignée, mais c'est un crible, enfin vous verrez, c'est une manière à moi de le faire, mais maintenant on peut le faire autrement, on n'est pas obligé de travailler uniquement avec cet outil là. Voilà, donc là mon sablé est bien mélangé. Alors volontairement, on peut voir, je ne l'ai pas plus travaillé que ça, parce que je vais finir le pétrissage à la main. Voilà, je vais juste amalgamer la pâte ensemble comme ça, et j'obtiens donc cette boule de pâte que je vais maintenant passer à travers cet outil. Voilà, alors ça s'appelle une araignée, mais après on peut le faire à travers une caisse perforée. Il y a plusieurs manières de le faire. Ce qui est important, c'est d'avoir des granulés réguliers pour pouvoir avoir une structure qui s'effrite facilement au niveau de la dégustation. Cette pâte, ben, je vais la prendre, la passer au crible. Donc on peut la préparer à l'avance, la cuire et ensuite la stocker au congélateur. Il n'y a pas de problème pour l'humidité, parce que ensuite on va le mélanger avec du beurre de cacao, de la couverture, du praliné. Donc on est sur des produits qui sont anhydres, donc sans eau. Donc on aura quelque chose qui va garder son croustillant. En plus, on va y rajouter un petit peu de croustillant à l'intérieur à travers de la feuilletine. Donc il n'y a pas de souci pour garder le croustillant. Par contre, ça nous permet de rationaliser la production, c'est-à-dire d'en fabriquer une quantité, de la stocker, d'utiliser quand on a besoin. Voilà, donc j'appuie et à travers le crible, je fais passer ma pâte pour obtenir ces fameux granulés. Quelque chose d'assez simple. Ce qui est important, c'est de ne pas frotter comme ça, de ne pas faire de la poudre, c'est de faire vraiment des granulés. Donc essayez d'en mettre un petit peu de partout sur la plaque afin de pouvoir avoir une cuisson homogène et pas de surépaisseur qui permettrait d'avoir une cuisson aléatoire, c'est-à-dire par endroit une cuisson foncée, par endroit une cuisson claire et même par endroit une pâte pas cuite qui ne serait pas agréable au niveau de la dégustation. Voilà, donc ça, une fois que l'on a terminé l'ensemble de la pâte, on va le mettre au four, comme je le disais, 20 minutes à 160 degrés. Une fois que ce sera cuit, on va pouvoir la mélanger avec le reste des ingrédients. Bon, là on va commencer le croustillant. Donc comme je dis, c'est un croustillant praliné. Donc croustillant qui est réalisé avec un praliné 50-50 pur piémont, pâte de noisette pur piémont. Ensuite le crumble, le fameux crumble qui est cuit, donc voilà, comme je disais, avec des granulés assez épais pour pouvoir avoir une structure assez friable. Couverture tannée à lait. Ici, du beurre clarifié et un petit peu de feuilletine. La feuilletine, je l'ai mise directement dans le croustillant. Ici, le beurre clarifié dans le chocolat. Donc le beurre clarifié, je l'ai chauffé à peu près 60-65 degrés. C'est important qu'il soit bien chaud, parce que quand je vais faire mon mélange avec le chocolat, il ne faut pas que ce mélange-là soit trop froid, parce que sinon ça va de suite bloquer. J'aurai pas le temps d'étaler mon mélange. Alors si ça vous arrive, c'est pas trop grave, vous mettez le mélange au micro-ondes, ça va ramollir. Mais en fait, c'est pas la solution. La solution, surtout quand on fait des grosses quantités, c'est de chauffer, même je dirais jusqu'à 80 degrés, le beurre clarifié, de manière à être sûr que votre mélange chocolat-beurre clarifié, une fois mis dans votre sablé et votre feuilletine et praliné, ne bloque pas. Vous avez le temps de l'étaler. Donc je mélange bien le chocolat, le beurre clarifié. Je vais mettre le praliné et la pâte de noisette directement, hop, dans mon cul-de-poule. Alors pourquoi de la pâte de noisette et pas que du praliné? Tout simplement parce qu'il faut aussi penser au sucre et c'est bien de désucrer un petit peu. Donc le praliné va rehausser le goût de la noisette.
bien sûr, parce qu'il y a un côté noisette caramélisée, mais la pâte de noisette, elle va renforcer aussi le goût, mais en même temps, va désucrer. Là, je rajoute donc le beurre clarifié avec la tanéa. Alors là, c'est pareil, j'ai pas mis de couverture chocolat noir. On aurait pu, effectivement, puisqu'on a un biscuit chocolat, on a une crème glacée chocolat, mais j'ai préféré alterner avec une couverture chocolat au lait. Pourquoi? Parce que j'ai envie de garder le goût de la noisette et la gourmandise du croustillant. Et là, je fais tourner le tout jusqu'à avoir quelque chose d'assez lisse, comme ceci. Alors, petite astuce qui n'est pas des moindres, c'est que ce produit-là, vous le coulez dans un cadre, vous le découpez, vous l'enrobez de chocolat, ça fait une bouchée qui est fantastique. Voilà, c'est délicieux. Mon croustillant, 1,5 kg. Ici, mon cadre. Alors, c'est vrai que je ne vais pas parler du cadre, je vais vous en parler. Donc, c'est un cadre plastique jetable qui fait 585 par 385. Hauteur 3,5. Donc, je coule mon croustillant. 1,5 kg. Vous voyez, assez fluide. Donc, si on a tenu compte de la température du beurre et du chocolat fondu, on a le temps de travailler ce croustillant sans problème et de pouvoir opérer le montage de plusieurs entremets à la fois, sans souci. Et j'étale. Alors, au fond de ce cadre, j'ai mis une petite feuille guitare. Donc, j'ai légèrement graissé mon cadre et j'ai mis une feuille guitare pour pouvoir le décoller facilement. Et je vais pouvoir attaquer le biscuit chocolat Del Tora. Donc, biscuit chocolat Del Tora. Alors, c'est pas un biscuit chocolat classique, puisqu'on est sur un entremets glacé. Il faut qu'on ait un biscuit qui soit pas trop dur au niveau de la découpe, au niveau de la dégustation. Donc, déjà, c'est un biscuit, il n'y a pas de farine. Déjà. Voilà. On y a mis un peu de sucre inverti pour amener du moelleux pour qu'à la congélation, il ne se rigidifie pas. On a à l'intérieur un peu de poudre d'amande, du chocolat Del Tora. Les blancs d'œufs sont montés avec du sucre et la trémoline directement. Donc tout le sucre et la trémo au démarrage. Voilà, donc ma meringue est prête. Donc c'est une meringue qui n'est pas non plus trop dure, hein, très important. Pas de meringue trop dure parce qu'on a quand même des mélanges à faire. Et si on a une meringue trop dure, ben, on va devoir énormément s'employer pour faire le mélange. Et à la sortie, on perd en volume. Autre chose aussi, le fait de démarrer directement avec le sucre et la trémoline dans les blancs d'œufs, c'est un peu plus long au montage. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'on a des bulles beaucoup plus serrées, donc qui vont moins retomber. On a une meringue qui est beaucoup plus lisse, un sucre qui a totalement fondu. Donc tout ça, ça va jouer sur la texture et le développement du biscuit au four. Là, on va avoir un biscuit qui va cuire, qui va gonfler, mais qui va rester stable. Et ça, c'est important pour la texture du biscuit final. Voilà, donc là, maintenant, je vais prendre un peu de cette meringue-là que je vais mélanger dans mon chocolat fondu et je remets le tout dans ma cuve de batteur avec le reste de la meringue. Et là, je vais commencer à incorporer la poudre d'amande. Biscuit terminé. Donc je vais étaler ça dans une plaque avec un flexipat. À l'intérieur, il y a un petit silpat découpé à la grandeur pour pouvoir le décoller plus facilement. Donc cette recette, elle est calculée pour une feuille de biscuit. Alors, c'est pas grave si le biscuit est légèrement au-dessus du flexipat. De toute façon, ça ne débordera pas. Mais au moins, ça va nous aider à avoir un biscuit régulier au niveau de la taille. Donc ça, pas plus, ça sert à rien de trop le lisser plus que ça, parce que c'est un biscuit, comme je l'ai dit, qui est assez compact et assez aéré en même temps. Donc plus on va le travailler, et plus en fait, on va éclater les bulles d'air. Donc là, c'est très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, moi, j'ai mon biscuit chocolat, donc on peut voir ici, que j'ai retourné sur une feuille de papier. Je vais mettre le côté lisse, c'est-à-dire le côté qui était sur la plaque, au contact du croustillant pour avoir quelque chose de bien plein. D'accord? Ensuite, ici mon croustillant qui lui a pris légèrement. Voilà. Et donc je vais venir appliquer le biscuit sur ce croustillant, comme ceci. Hop.
à l'aide d'une... Bon, ça s'appelle une taloche, on trouve ça de partout dans les magasins de bricolage, mais c'est très pratique pour pouvoir bien bien appliquer le biscuit sur le croustillant pour qu'on ait quelque chose qui soit bien adhéré. On est prêt à pouvoir maintenant préparer le sorbet. Je commence à faire chauffer l'eau. Donc ici, il y a le sucre, le glucose atomisé et là, le stabilisateur. Voilà, donc là, l'eau bout, je verse mon mélange sucre, glucose atomisé et stabilisateur. Alors, c'est un sorbet qui va amener beaucoup de fraîcheur et beaucoup de saveur. Ce sorbet-là, j'adore le faire parce que d'abord, c'était un sorbet que j'ai réalisé quand j'ai fait la Coupe du Monde de glace à Rimini, en Italie. Très aromatique, qui va très très bien porter le goût du chocolat, notamment Del Tora. Et c'est vrai que bien souvent, sur des chocolats aussi typés que Del Tora, on a besoin d'avoir des saveurs très... on va dire très aromatique, de manière à ce que les deux puissent bien balancer, quoi. Donc là, on va préparer notre purée de fruits. Ici, j'ai la mangue et la passion. Voilà. La banane. Alors la banane, je tenais à vous la montrer comme ceci parce que c'est très important d'utiliser une banane bien mûre, déjà, donc tigrée, et fraîche. Pas de purée de banane parce que les purées de banane, malheureusement, nous apportent très peu de goût. Et on a besoin de ce goût de banane, justement, à l'intérieur de tout sorbet. Et ici, donc, Musicao, voilà, qui elle va nous apporter, cette purée va nous apporter de l'acidité, de la fraîcheur supplémentaire dans notre sorbet. Donc ça, c'est important de le faire au moment, d'accord? On ne fait pas ça deux jours avant, de manière à ce que la banane ne s'oxyde pas et qu'on ait le maximum de goût, de fraîcheur, de fruits frais, quoi. Je vais commencer à prendre le Brix à partir de mon réfractomètre. Donc c'est très important le Brix, comme je l'ai expliqué, pour la texture du sorbet final. Donc il faut qu'il soit à 32, donc je vais mettre une petite goutte dessus, je vais vérifier. Si je vois que mon Brix est trop haut, je vais rajouter de l'eau pour le baisser. S'il est trop bas, il faudrait rajouter du sirop. Ok, 31,7. Bon, c'est bien, hein. On est bien, on va pas besoin de rajouter du sirop, c'est très bien. Donc là maintenant, on va passer à la crème glacée Del Tora. Donc chocolat Del Tora, poudre de lait à 0%, sucre, ici on a le stab et les mono, donc je rappelle, mono épaississant, stabilisateur gélifiant, ici on a le lait, la crème, le glucose, là on n'est pas sur du glucose cristal puisqu'on est sur une crème glacée chocolat c'est vraiment quelque chose d'à part au niveau des glaces, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir de la souplesse, on a sur une glace qui est riche en beurre de cacao, donc on va éviter d'amener trop d'extrait sec. Par contre, on va aller amener du sucre inverti et un peu de glucose pour amener de la souplesse. Alors, donc là, à 45, je vais incorporer sucre, stab et mono. Alors pourquoi 45? C'est tout simplement pour que les stab et les mono puissent dissoudre facilement dans le mélange. Voilà, 45, sucre, mono, stab. Et là, maintenant, je cuis à 85. Donc là, je vais verser petit à petit mon liquide pour créer une émulsion. Je ne vais pas verser tout d'un coup. Quand vous arrivez à 85 degrés, vous allez sortir le mix en partie sur le chocolat, bien 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 le mixer pour créer cette émulsion et remettre ensuite le tout dans le pasto pour terminer la pasteurisation. Et là, je vais terminer en mixant le mélange. Ça va être super. Voilà, donc notre glace, notre crème glacée plutôt, est terminée. Je vais la filmer, la mettre au frigo, on va dire entre 4 minimum pareil et 24 heures. Bon, moi je privilégie toujours 24 heures pour une bonne maturation. Donc là j'ai mon cadre avec mon croustillant et mon biscuit chocolat, d'accord? Et mon sorbet, voilà, donc sorbet. Alors moi j'aime bien l'appeler sorbet 4 fleurs. Pourquoi 4 fleurs? Ben, il faut toujours une fleur pour faire un fruit. Donc 4 fleurs, la banane, la mangue, la passion et le plus important, le Musicao. Voilà. Donc ça, je vais l'appliquer, il y en a dans mon cadre. Voilà. Comme ceci. En belle texture, bien souple. Allez, regardez, c'est beau ça. Ça, c'est de la bombe.
Et on y va. On étale bien. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'on va faire là, c'est la manière dont on va l'étaler et ensuite lui donner un petit mouvement de vague à l'intérieur pour que on puisse ensuite y mettre la crème glacée chocolat. Et à la découpe, en fait, on va avoir cet effet ondulé à l'intérieur, donc dans lequel on ne s'attend pas forcément, puisque tant qu'on ne l'a pas coupé, on ne le sait pas. Et ça nous amène une finition intéressante et surtout un équilibre. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des superpositions, on a en fait des incrustations. Et en dégustation, ce n'est pas la même chose, quoi. Voilà. Donc, une fois que j'ai étalé, on va dire grossièrement, même si j'aime pas trop ce mot, mais on va dire, je ne vais pas chercher à lisser parfaitement, ça ne m'intéresse pas. Je vais venir avec ma spatule, comme ceci, faire un mouvement de vague. Moi, j'aime bien les décors où on a l'impression qu'il n'y a pas de technique, mais qu'à la sortie, finalement, on se pose toujours la question comment ça a été fait. C'est parfait. Donc là, j'ai récupéré donc mon mix crème glacée chocolat Deltora qui va aller sur le dessus de mon sorbet 4 fleurs. Donc là, mon cadre, je l'ai passé en surgel pour que ça soit bien froid, de manière à ce que lorsque je vais mettre ma crème glacée chocolat, ça puisse bien s'incruster à l'intérieur de mes vagues pour avoir cet effet marbré comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On a bien fluidifié, c'est bien lisse, on va pouvoir le turbiner. Voilà, donc là, on va terminer le cadre d'entremets Panama avec la crème glacée Deltora. Donc, je rappelle qu'on a le croustillant praliné, le biscuit chocolat et le sorbet 4 fleurs. La crème glacée qui, elle, a été turbinée, pas trop dure, hein, pour qu'on puisse bien la rentrer à l'intérieur des vagues que l'on a faites précédemment avec la spatule et qu'on puisse avoir ce côté marbré à l'intérieur du gâteau à la découpe. Donc, le fait que l'entremets soit bien congelé, ça permet à la glace de garder sa texture, de ne pas fondre. Au sorbet, lui, de ne pas s'affaisser non plus. De manière à ce qu'on n'ait pas les deux glaces qui se mélangent, mais bien qui se marbrent, mais sans qu'il y ait un mélange des deux. On n'a pas envie que le sorbet, que la glace chocolat soit mélangée au sorbet. Voilà, et là, hop, je vais mettre une petite feuille guitare dessus, histoire de bien aplanir. Je vais mettre ça au froid. Et donc dessus, il va nous rester à mettre notre chantilly noisette. Alors une chantilly un peu spéciale, on verra tout à l'heure, puisqu'on va y incorporer un peu de meringue italienne. Et donc du praliné. La meringue italienne étant là pour assoupir la crème fouettée de manière à ce qu'on n'ait pas quelque chose de trop dur. Étant donné qu'il y a beaucoup de matière grasse dans la crème fouettée, si je mettais que de la chantilly, mais quand je vais couper, ça va partir en miettes, quoi. Donc là, on va être sur la chantilly décor de notre entremets glacé Panama. Donc là, on a de la crème fouettée, du praliné, meringue italienne. La meringue italienne est là pour assouplir et donc donner une texture beaucoup plus onctueuse à notre chantilly décor avec la noisette à l'intérieur pour pouvoir donner un côté un peu, pour rappeler un peu le croustillant. Voilà. Donc là, la crème, le praliné, je fais un premier mélange avec cette crème là. Voilà. Voilà, donc ça, c'est prêt. On va pouvoir le mettre sur l'entremets glacé. Voilà, donc là, ma crème sur l'entremets. Que je vais étaler.
Voilà, une fois que j'ai étalé ma chantilly sur tout le cadre, je vais venir faire des petites bandes comme ceci pour amener un motif sur le dessus de mon gâteau. Et je vais remettre le tout au congélateur. Donc cet entremets, on va bien entendu le pulvériser au nappage neutre pour l'imperméabiliser. Et ensuite, on le finira. Alors là, on va passer à la finition du gâteau glacé Panama. Donc on va le tremper dans un mélange de couverture, donc Panama bien sûr, de l'huile, de pépins de raisin, un petit peu de noix de coco pour amener un peu de structure en fait et de relief à cet enrobage. Sinon ça paraissait un peu trop lisse. Alors on aurait pu mettre du gruet de cacao à la place, mais c'est vrai que c'est un peu plus grossier, donc vous faites un peu comme vous le sentez. Si vous avez mis du gruet, c'est très bien aussi parce que ça amène un côté cacao. Alors cet entremets, on l'a coupé en 12 entremets de 6 personnes, c'est-à-dire ce que l'on voit ici, pour moi c'est un entremets de 6 personnes. Donc on l'a coupé en 12 et on a ensuite, avec le bord, on a eu un entremets aussi de 8 personnes. Donc en fait dans un cadre, vous faites 12 entremets de 6 personnes, un entremets de 8 personnes. Donc si vous calculez bien, 12 x 6, ça fait 72, plus 8, ça fait 80. Donc on a fait sur un seul montage entremets glacés pour 80 personnes. Voilà. Donc je pense que c'est assez rationnel. Voilà, donc la finition. Alors il n'y a pas beaucoup de solutions en fait pour que ça puisse tenir à la congélation. Donc il y a des meringues, il y a de la guimauve, voilà, ou du chocolat. Là, en l'occurrence, j'ai coupé des pastilles de plusieurs dimensions. Je les ai collées, j'ai mis du cacao poudre. Alors, cacao poudre, il n'y a pas de problème à la congélation. Ça tient très bien à la décongélation aussi. C'est très important de faire un décor qui, congelé, bien entendu, se maintienne, mais est décongelé aussi. Parce que souvent, on tient compte que de la finition au congélateur, mais on ne se dit pas, tiens, le client, quand il est sur la table, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Là, en l'occurrence, pour cet entremets, j'ai préféré mettre un décor chocolat, comme ceci. Voilà. Et mon entremets est terminé. Entremets Panama.